Hey yo, yo yo yo, un lourd programme encore ce soir, on a des milliers de choses à faire, toujours des milliers de choses à faire, toujours des... Attendez, le fond vert est dégueulasse. Toujours des milliers de choses à faire. On est parti sur Katana Zero tout d'abord, puisque le dernier succès a été trouvé, et c'est un nouveau boss en fait, il y a un boss en plus dans Katana Zero qu'on n'a pas fait, et je me dis que ça pourrait être cool de terminer totalement le playthrough de Katana Zero par faire ce fameux boss caché. Alors le truc c'est que il y a plusieurs conditions pour ça, notamment bon d'abord il faut genre aller à l'usine, il va falloir embêter un peu le psychiatre à l'infini. Donc on va essayer d'interrupt, je crois que je suis allé au mauvais endroit parce que je suis un connard. Mais ah oui non, ça a l'air d'aller, ok très bien. Il est très chaud le boss psy. N'hésitez pas évidemment, bonsoir, hein, salut Mladu, salut Thorn, tout le monde, n'hésitez pas à me backseat si vous voyez que je loupe une condition pour aller chercher le boss. C'est très chiant, j'ai pas spécialement envie de refaire le game en entier, bon si jamais on galère, bah on refera le game en entier. Je vais juste essayer de faire les conditions nécessaires et suffisantes pour faire tout ça. Et ensuite on ira sur Forager, évidemment le jeu incroyable. Donc là on va raccrocher en boucle histoire d'énerver le psychiatre. Et ensuite on changera de niveau directement, on ira à l'hôtel pour faire tuer la réceptionniste. Et le niveau de l'hôtel on le fera en entier carrément. Salut Tommy Joker, salut Eltendo, salut Courgette Optimiste. Dark en cours, Onibac. Des bisous. Donc là jusqu'à ce qu'il soit bien vénère sa race. Je sais pas combien faut lui en mettre dans la gueule des raccrochés, mais on va en mettre N. Allez, ferme-la bien. Au pire, le début du jeu, on peut le faire à l'infini. Je sais pas combien j'en ai fait là, mais ça doit être suffisant, je pense. Je sais pas combien j'en ai fait. J'arrive pas à voir s'il a changé de dialogue. Merci beaucoup Azou pour le prime, des gros bisous. Si seulement mon tweet, mon stream deck marchait. Des gros bisous et salut Nimo au passage. Bon, et cette fois on va vraiment décrocher. Merci Azou, des bisous. Très bien, donc là il a l'air bien vénère, tac tac. On va passer les trucs. Le gars casse-couille avec son psy. C'est la base. Allez, du coup, est-ce qu'on se fait le level? Je pense pas, on n'a pas besoin de faire le niveau, normalement. C'est ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut stack en gros les trucs chiants. On peut stack les phases de... stack les phases de scénario, en fait, tout simplement. Putain, mais l'OST est toujours pas sorti nulle part, à part sur Bandcamp, et ça fait chier. Allez, continuez. On va cette fois faire la mission de l'hôtel, et on va se démerder pour qu'elle meure. La réceptionniste, donc pour ça il faut passer les dialogues, donc non, on va reprendre directement à l'hôtel. Salut Juju Force, pour respirer avec Katazero en 1h14, ça ira vite si tu dois refaire le jeu. C'est vrai. Alors je pense qu'on commence par le shrink ou on commence direct par la réceptionniste, je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller voir le shrink à ce moment-là. Bon, on va juste voir la réceptionniste, on verra comment ça se passe. Imagine un mec qui t'appelle toutes les 5 secondes, 1000 fois. La base. Cette mission-là, on va la faire en entier pour qu'elle décède. T'as fait la fin ce matin, elle a pas besoin de mourir. Ok. Donc là, j'aurais dû faire quoi? J'aurais dû directement aller à la mission d'après. La mission avec... avec le dance floor. La boîte de nuit. Bon, ouais, anyway, c'est pas grave. On va faire comme ça, et puis on verra bien. L'objectif, alors, pour avoir la vraie fin, c'est d'énerver au maximum le shrink, mais en faisant certaines étapes, quand même, à certains endroits. Ah mais mon dieu, cette musique elle est tellement bien. Pourquoi elle est toujours pas sortie nulle part? De toute façon, ça c'est mon niveau ça. Y'a pas juste besoin de dire de la merde au psy au bunker 2. Non, y'a pas mal de trucs à faire en vrai. En fait, faut lui désobéir à quelques moments et faut pas prendre la drogue aussi à un moment. Faut l'irriter au maximum, c'est ça. Le foro, ça va, non? Ouais, mais tu vois, comme c'est inclus dans Spotify, j'aimerais bien l'avoir sur Spotify. J'achète pas trop d'OST, moi, encore. Hein.
Je veux pas une version physique, non, je veux juste qu'elle soit sur Spotify et que je puisse l'écouter en stream, quoi. Que si je fais du Isaac à un moment, je puisse écouter tranquillement l'OST, quoi. Genre cette musique-là, j'ai envie de l'entendre tout le temps. Elles sont pas toutes incroyables, hein, mais genre celle-ci, par exemple, elle est folle, je trouve. Elle est pas encore sur YouTube non plus, non. Là, lui, on va lui parler. On va lui dire le genre le tuer, il va sauter. Hop! Connard man. Super. Allez, on se casse, on va tuer le garde. En gros, le gros truc à faire, c'est de parler à l'électroed, lui demander les drogues. Lui demander les drogues, en parler au psy, pas prendre la drogue et faire le niveau d'apprendre en butant tout le monde, incluant hein, le vieux vétéran, et normalement c'est fini. Donc là je pense qu'elle meurt, très bien. Là on va clairement pas répondre à tout ça, on va aller se coucher direct. Vous savez, sa musique c'est pas mal aussi, je trouve. Après, pour le côté pratique streaming, tu te fais une serveuse. Ouais, mais j'ai pas le temps pour ces trucs là. Mais je sais, hein, évidemment. C'est bien aussi. Mais je suis très team Spotify en ce moment et peut-être que ça rechangera. Donc là, la prochaine mission, normalement, c'est la mission d'Electroed, si je dis pas de conneries. En fait, il faut enchaîner la mission de la prison et celle d'Electroed. Le problème, c'est que si je refuse la drogue, il va me dire de tuer tout le monde, non? Et normalement, on est censé lui désobéir. J'ai une question, mais ça concerne Isaac. J'essaie de faire tous les succès, je dois faire Ball of Bandage level 4. Ça fait 2 jours que j'enchaîne les grids avec l'élite pour trouver Ball of Bandage. Je la trouve 0, juste pas de chance. Ou est-ce que le jeu enlève certains des objets en grid mode? Non, normalement tu peux la trouver, mais en vrai, fais plutôt du Lilith normal et reset le basement, c'est pas grave. Salut Kalish. C'est pas lui qui dit de buter tout le monde, il est vénère après. C'est quelqu'un d'autre qui te parle au téléphone? C'est vrai qu'ils peuvent pas m'entendre, c'est incroyable ça. Et là, par exemple, il m'a pas dit de pas parler à Electroed, du coup. Parce que comme je suis allé trop vite dans les dialogues, il m'a pas dit de pas parler à Electroed. C'est peut-être pas ouf ce que je viens de faire, en fait. Très bien. Il n'y a pas Ball of Bandage en green mode. Ce serait étonnant, ça, en vrai. Non, mais ça, oh là là. On marne. Ah, c'est vrai qu'il faut se cacher derrière les caisses, j'ai zappé. Allez, let's go! Est-ce qu'on peut tuer les deux normalement? Incroyable. What? J'ai zappé comment? J'ai zappé tout le jeu. Merci. Hop. Faut en faire tous ces enchaînements avec le psy si tu perds contre lui en boss. Non. Normalement non. Le psy ce sera. On peut pas perdre, tu vois, ça va être comme les boss qu'on a fait jusque là. Mais putain. Pap, 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 pap.
Allez, let's go. Mais clairement, le speedrun, ça va aller vite, normalement. Les gens qui vont faire du speedrun sur le jeu, hein. Ça va vite augmenter le... Enfin, ça va vite baisser le time, hein. L'estimate. Mais putain, mais je suis trop con. Je pouvais pas lancer. Je crois que je peux, hein. La boîte de nuit la mieux gardée du monde avec des lasers quand même. On en est là quoi. Je m'étais pas fait la réflexion la dernière fois. Ah ouais, cet étage il est tellement horrible pour sang. Allez, let's go. Il faut pour me trouver à chaque fois. Allez, ça dégage. Quoi, il en reste un? Allô, qui n'est pas mort? Ah non, go. Let's go. C'est propre les animations du jeu. Oh, le jeu il est très très propre. Le pixel art il est incroyable. Donc là, Electroed, on va évidemment lui parler. Alors là, je raccroche. En mode bas les couilles, parce que là, normalement, il est censé me rappeler surtout ne lui parlez pas. Donc là, je vais lui parler évidemment. Oui, je suis venu te tuer. Donc là, on lui parle pour qu'il nous révèle le truc de la drogue. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas réel? Mais de quoi tu parles? Ouais, enfin, on va essayer de le mener à la drogue. Si la cam que j'ai trouvée était à toi. Tout ça, on l'a déjà vu, hein. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà fait. Dis-moi ce que tu as trouvé. Salut, Lianas. Salut, Rookie, le foufou. C'était le délire! Dis-moi où elle est. C'est vraiment réel. Elle est toujours dans ton container. J'ai rien volé, mec. J'ai acheté le container aux enchères. Ils m'ont dit que son propriétaire était mort. Donne-moi le nom de cette drogue. Je connais pas son nom. Elle était dans une bouteille sans étiquette. Attends, tu connais même pas son nom? Tu cherches la merde. C'est ça. Mes potes vont te massacrer, t'es un homme mort, tes gars sont morts. Oh, merde, me fais pas de mal. Écoute, je te propose un deal, je te filerai un peu de cam si tu me laisses partir. Tu ferais ce que tu veux. Donne-moi la drogue et je te laisse filer. Merci beaucoup Smax pour le Twitch Prime, il faut que je baisse le son des alertes parce que j'ai oublié de le faire. Ah oui, il se fait buter quand même. Incroyable. Ah oui, c'est Vi qui le bute, je vais zapper. Merci Smax pour les 32 mois, des gros bisous. C'est vraiment easy, Plex, no joke, si tu veux, je peux te filer un coup de main. Le jour où tu voudras, pourra tenter l'expérience. Ouais, pour l'instant, j'en ai vraiment pas besoin, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Allez, salut, let's go. Donc là, le shrink va pas être content, mais on s'en bat les couilles. T'as mangé à 3 vues depuis un an, après t'avoir entendu en parler, je regrette pas, c'est vraiment très bon. Bah oui, c'est incroyablement bon. Vous avez négligé votre devoir. À l'avenir, suivez les instructions, vous aurez affaire à une plus stricte discipline. Donc là, on est sur le good pass, hein, c'est ça qu'on doit faire. Là, je pense que je pourrais limite me barrer, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Vas-y, on s'en branle. Est-ce que tout ça, là, je peux skip en vrai? On s'en fout. Dégage de mon chemin, j'abandonne, allez, entre. Mais ferme-la, putain! Putain, je suis obligé de me taper toutes les cinématiques, quoi. Ah ouais, il faut regarder sous le canapé, allez. Yep, tu peux. Bon, ouais, c'est pas grave, on va enchaîner, on va enchaîner. Je m'en fous! Vous l'aviez caché, ce n'est pas à moi. En fait, le speedrun, il doit être tellement chiant, parce que si tu tapes toutes les scènes de dialogue à l'infini, tu n'en peux plus, quoi. C'est le problème, c'est que c'est pas très speedrun friendly comme jeu, hein.
Allez, bois ton thé de mort, va te coucher. Allez. T'as pris quoi, Rocky le foufou? T'as pris le bœuf? Ah, le bœuf, c'est vrai que c'est pas mal bon. Je préfère l'amour en mer, mais je préfère surtout les nouilles d'Andon et les nouilles au porc haché, mais c'est bon le bœuf. Avec des patterns des mobs non random, entre autres. Ah, nice. Le speedrun mode, c'est nice. Aïe! Bon! Donc là, on va avoir le Shrink qui va être absolument pas content. Et après ça, faut que je fasse quoi? Après avoir refusé la drogue, il faut que je tue tout le monde dans la prison. Et ça, ce serait suffisant? Non, après, il va falloir que je refasse toutes les scènes du Shrink en mode l'énerver à mort, quoi. Je ne partage pas ce sentiment. Vous pouvez peut-être répondre à quelques... Répondez d'abord à mes questions. Non, je veux pas mon médicament. Vous avez parlé à Electrohead, machin. Je vous avais dit de ne pas parler à Electrohead, sans s'en branle. Pourquoi ne m'avez rien dit pour la drogue? Vous comprenez les billets aussi. Eh oui. Bœuf sichuanaise, le premier plat sur le menu. Mes pouvoirs viennent d'une drogue, Electrohead, prenez la même drogue que moi. Donnez-moi mon médicament, non. Oui, dans la prison, pour s'enfuir, par exemple, c'est random le timing des mobs. Ah. Je n'en veux pas. Là, on refuse la drogue. Dommage que vous ne réalisiez pas quel pouvoir vous a été accordé. Mais si c'est ce que vous ressentez, nous réduirons les doses après cette mission. Non, je ne veux plus de cette drogue. Ça suffit! C'est l'heure de votre traitement. Restez assis. Non. Vous ne voyez pas le don que vous avez reçu? Vous êtes invincible. Ouais, là, on s'en branle. Le jeu essaye vraiment de nous avoir, là. Avec la barre bien longue. Non. Et là, on se tire. Le pauvre minable. Donc là, il commence déjà à être bien vénère. Hein. Et donc là, c'est la mission de la... Voilà. Donc la mission de la prison, on va tuer tout le monde. Le premier plat sur le menu, il me semble, j'ai pris niveau 1 car je suis pas si fou, j'ai bien fait pour une première expérience, c'est suffisant. Alors attendez, qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois raccrocher ou écouter ce que le mec me dit? Obéis à mes ordres, donne la mort ce soir et ne laisse personne échapper à ta lame. Je comprends. Va maintenant, laisse ton âme en peine étancher sa soif de sang. Alors on tue tout le monde. Bah tu devrais tenter des trucs cuits au Kill Fufu parce que là c'était un plat froid que t'as mangé, c'est super bon, mais il y a vraiment mieux là-bas. Pourquoi le psy veut que l'on tue des gens, j'ai pas compris. Bah c'est pas le psy qui nous appelle là. Oublie pas de tuer le vet. Le vétéran. Oui, le vétéran de l'armée, ouais, je vais le buter. Hein. Mais de toute façon, je crois que tu peux pas ne pas le buter ce mec là en fait. C'est à la fin de la mission, c'est le clodo. Ah, d'accord, c'est le clodo que je dois buter. Si tu peux. Je sais pas, moi, à chaque fois que je fais un choix, ça me baisse. C'était une soupe avec pouce de bambou, bœuf et nous. Ah oui, le bœuf. Ok, bœuf, ok. Donc là, la prochaine étape, après, c'est quoi? C'est juste de parler au Shrink. Y'a pas un moment où on doit lui dire fuck you aussi? Ah, c'était très con de ma part, on va dire. Bientôt nous reparlerons. Donc là lui je le bute aussi.
Y a pas un onglet le tuer là? Le tuer. Allez, chais. Ça dégage. Après le niveau de la prison, mais je sais pas si c'est nécessaire. Je voulais être sûr. T'as refait toute la run après en lui coupant la parole. Donc là, normalement, c'est bon. C'est suffisant. Ah, mais j'ai quand même la valise à ce moment-là. C'est incroyable. En gros, apparemment, la seule variable importante, c'est de refuser la drogue. C'est une cassette vidéo. Ah ouais, non, mais j'ai pas envie de refaire ça. Bon, là, je quitte, on est d'accord. Là, je quitte et on se refait toutes les séquences avec le mec. Parce que là, on en est où à ce moment-là? On vient de faire la prison. Ensuite, il y a quoi? Il y a le studio. Il faudrait refaire les séquences avec le shrink à chaque fois. On se fait quoi? On se fait toutes les séquences shrink. Il y aurait le manoir aussi. Shrink. Chinatown, il y a un shrink aussi. Mais il y a le shrink, il y est tout le temps. En fait, c'est ça le problème. Shrink. Cassette dragon, je suis sûr qu'il y a le shrink aussi. Ah non, il n'y a pas le shrink dans Cassette Dragon apparemment. Abattoir, est-ce qu'il y a le shrink? Oui, il y a à chaque fois ça le problème. Bunker, il doit y être aussi. Et Bunker partie 2, il doit y être également. Ah ouais, il est partout. Bah, je sais pas trop. Tu peux aller au milieu de Bunker 2 normalement. En gros, apparemment, la seule variable. Donc là, si je vais au milieu de Bunker 2, ça suffirait, vous pensez? Je suis pas sûr, hein. Merci Lucidimilius pour les 8 mois de Twitch Prime. Les gros bisous. Vous comprenez au moins ce que vous avez fait. Je n'ai pas pu joindre ma fille depuis ce matin, ce téléphone. Non, mais là, ça n'a pas marché, là, on est d'accord. Je peux tout expliquer. Ils ne viendront pas me chercher. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous voyez que là, ça n'a pas fonctionné. Il me semble que c'est pas ça qu'il doit dire. Hein. Ouais, là ça a pas marché, on est d'accord. Bon bah écoutez, on va parler à chaque fois, on va aller lui parler, lui. On va aller lui parler et lui dire d'aller se faire foutre à tous les chapitres et on verra si ça marche. Ah oui, mais là il est pas là, c'est vrai. Après la prison. Mais attendez, mais après la prison, il y avait pas un moment où on va le voir directement en fait. Donc, la manoir. Hein. Faut pas que tu fasses que des choix rouges au bunker 2. Tu pourras faire des choix rouges partout. Ouais, hein. C'est quand même très cryptique comme ça. Qui est le méchant, on ne sait pas. On sait rien de toute façon, c'est le problème. Ah non, mais putain, faut que je me retape tout ça, Riley, quoi. Ok, toi bien. C'est pas là qu'on doit lui dire de fuck you. Oh, j'ai l'impression que ça a pas été marché, putain. J'ai l'impression que ça n'a pas du tout marché. Du raccrocher au nez à chaque fois. Non mais ça je l'ai déjà fait au début. Merci Cataplas pour les 22 mois, des bisous. Ah oui, là il a pas l'air content quand même. Asseyez-vous, allez. Qu'est-ce que j'ai foutu hier soir? Al-Kazim est mort. Je sais qu'Al-Kazim est mort, on l'a retrouvé avec une balle dans la tête. C'est aussi à la une de tous les médias. Vous ne pouvez... Vos supérieurs vous ont vu. Nous sommes à deux doigts d'en finir. Allez vous faire foutre. Ah voilà, fuck you, c'est là. Je crois que c'est là le fameux fuck you. C'est pas clair. Hein.
Vas-y, là, il brasse. J'ai pas plusieurs choix. Déjà, la première fois, normalement, j'avais plusieurs choix ici. En connaissant un individu correspondant à ce profil, vous a-t-il dit quelque chose? Allez vous faire foutre, ouais, parfait. Donc là, il a pas l'air très content. Ça va sauvegarder. Très bien. Des news sur la sortie de Forager sur Switch. Paye. Désolé, mais peut-être dans le chat, mais moi je sais pas où, trop où en est l'état de ce truc. Très bien. Donc ça, c'était quelle cassette qu'on vient de faire? C'était Manoir? Non, attendez. C'était bien plus loin. Si, c'était... Non, c'était Chinatown qu'on vient de faire, hein, je crois. Il faudrait qu'on fasse abattoir maintenant, qu'on aille lui dire d'aller bien se faire enculer dans l'abattoir. Allez, let's go. Plus que 2 days. Ah mais il est pas là encore à l'abattoir. Léon von Elvensleben, abattoir du 3e district. Nous répondrons à vos questions. Ok, mais il n'y a pas le shrink ce jour-là. Très bien. Bah, cassons-nous alors. Bunker partie 1, I guess. Putain, mais si ça marche pas, c'est relou en vrai. Mais pourquoi là il est gentil avec moi, nique ta race. Espèce de... Ouais bon là il est pas content. C'est pour la Chronos. J'ai trouvé Léon. Dites-moi la vérité maintenant. Peu importe, répondez à mes questions. Qui suis-je? Mais là, je peux pas lui dire d'aller se faire enculer, là. Mais je peux même pas refuser le traitement, nique sa race. Bon, en vrai, c'est sûr que c'est mort. Je l'aurai jamais, ce putain de succès. Pourquoi ça fonctionne pas? J'ai suivi toutes les instructs, pourtant. Impossible. Le succès est impossible. Putain, s'il faut refaire le jeu en entier, laisse tomber quoi. Allez, bunker partie 2. En espérant que cette fois ça fonctionne. Let's go. T'as bon, je pense, j'ai eu les mêmes phrases. Ok. À mon avis, c'est mort. Ouais, eh, c'est mort. Mais genre, pourquoi? Mince, t'as pris le traitement. Bah oui, mais non, parce que genre, il y a un moment où je l'ai pas pris le traitement. C'est bon. Non, c'est pas bon, je lui ai tapé la gueule. Mais genre, pourquoi ça fait ça, quoi? Pourtant, j'ai fait tout comme c'était indiqué. J'ai rien loupé, hein. J'ai bien refusé la drogue après le nightclub. Faut pas lui taper la gueule. Non, normalement, il trigger autre chose. Et je vais retourner voir ce qui est demandé, mais... Normalement, il n'y a pas beaucoup de choses de demander. Hein. C'est relou, putain. C'est dans Bunker 2 qu'il faut refuser. Hanging up multiple times, having the receptionist killed, hanging up before Radiohead, talking to Radiohead, killing all the guards in prison, saying fuck you to the therapist in was of the year, not getting spotted by the camera. I got different events during Bunker 2 that triggers the achievement. Ça reste pas à cause de l'abattoir où tu as quitté sans finir la scène dans le couloir? Faut peut-être faire le nightclub, pas de tout, puis direct Bunker 2. Bah l'abattoir, y'avait rien à faire. C'est relou, putain. Je sais pas ce qui me manque en fait.
sent tellement le refaire le jeu pour rien, quoi. Peut-être qu'il faut vraiment refaire tout le jeu pour trigger le script, pas juste les scènes où il faut dire nique aussi. Bah, je sais pas, il y a plein de gens, ils disent, ils ont juste refait. Il y a plein de gens qui ont juste refait les scènes et pour qui ça a marché, tu vois. Saras, putain. Soit pas les appels téléphoniques, tu t'es les mêmes enchaînements de scénario que toi. Ouais, mais t'as refait tout le jeu en entier, donc... en entier, donc ça change tout. Hein. Super. Allez, ça. Ils prennent rien. Hein. Dans le club, tu dois refuser de prendre ton nom, ensuite spam non-stop les prochaines rencontres avec lui. Bah ouais, mais je l'ai fait ça en fait. Le problème c'est que j'ai fait tout ça, tu vois. Putain, mais qu'est-ce qui me tue, quoi. C'est vrai, est-ce que ça a bugué puisque t'es retourné direct la scène Bunker 2 après prison? Ouais, mais tu veux que je fasse quoi en fait? Je repasse tout? Ouais, ça ferait chier de devoir refaire tout le jeu alors qu'il y a des mecs qui ont juste à. Pour le succès. Hein. Peut-être tout faire dans l'ordre. Ah, sa race. Ton guide, ça te dit de finir les missions pour les deux premiers trucs à faire. Ouais, bah je l'ai fait ça. S'il faut vraiment refaire toutes les scènes, je parle le fait d'avoir.
Easy to miss in chapter 4, prison, refuse your medications and complete chapter 11, bunker, machin. Complète chapter 11. Faut que je le fasse en entier le bunker, c'est ça? Je suis sur le bon chemin là en fait. Médecine during session, level 2, peace off, réceptionniste à hôtel, complète mission, ask for medicine during session, level 3, hang up before DJ, talk to DJ in the booth, refuse medicine during session, level 4, kill the police during the prison level, kill the hobo, tell psychiatry fuck you during Chinatown session. Ouais mais ça suffit pas, tu vois, tout ça je l'ai fait, hein. Tout ça je l'ai fait et pourtant j'ai pas le succès, donc enfin j'ai pas le trigger. Donc. En plus là je suis en mode, j'arrive pas à faire ce putain de... Ça me saoule, putain. Mais ta mère! Mais j'ai fait tout ce que vous dites, en fait. Je viens de le faire. J'ai tout fait, en fait. J'ai fait tous ces trucs-là, en fait. J'ai fait tous les triggers et genre ça ne fonctionne pas. Taras, Taras, putain! Oh ta merde! Putain! Merci à Jin Dead pour les 22 mois. In the pre-bunker session, they will say something along the... Bah vas-y, un bunker, pre-bunker session, vas-y. Moi, pre-bunker session, il s'en bat les couilles de ma life, hein. Il me dit, voilà, je vous en prie, entrez, asseyez-vous, putain, mais vas-y, nique ta mère, j'ai tout fait, quoi. Vas-y, ça me casse les couilles, putain. Bon, on recommence tout, allez, on recommence tout, on va voir ce qui se passe. Passe un grand moment, là. Passe un très grand moment. En vrai, c'est relou, quoi. Mais bon. J'ai jamais essayé de speedrun Céleste. Je trouve pas ça intéressant. C'est tellement mécanique que... Ouais, il y a plusieurs fins. Ça rend dingue! Raccrocher. Ok. Mais en vrai, personne connaît le trigger exact. Il y a des gens qui ont réussi à l'avoir et ils mettent ce qu'ils ont fait et qui pensent qu'à marcher, mais il n'y a aucune information qui se recoupe en fait. Il n'y a aucun. Enfin, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire pour ce succès en fait. Il y a juste des théories, quoi. En mode, ah, fais ça, puis va là, et moi ça a marché. Oui, mais en fait, ce que tu savais pas, c'est que t'avais fait d'autres trucs que les autres ont pas fait, et du coup. Hein. Ok. Tout le monde dit des trucs, mais ça se recoupe pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu relou, quoi. Allez, ferme-la! Putain, mais ferme-la! Allez, hop. Menu principal, on est reparti, allez. Rigole bien. Non. Hôtel. Bon, vas-y, je vais lui parler, cette fois. Là, c'est pareil, on lui avait pas parlé tout à l'heure, on va lui parler.
Et hop, là tu prends ta médecine, t'en branles. Ferme-la. Allez. Complète mission, non, non. Hanging up, putain, je suis en sueur là. Mission. Là par contre, il y avait écrit complète mission. Ferme-la, mais ferme-la. Ferme-la. Hop. On se tire. Donc là, cette mission-là, on l'a fait. Hein. C'est pas comme si ça faisait 50 fois qu'on la faisait, celle-là. Sneaky Driver Bill Kelly. Heureusement, il y a la meilleure musique du jeu à ce moment-là, en fait. Ferme-la. Le jeu est pas friendly pour essayer d'aller vite dessus, en fait. Ça, c'est trop relou, quoi. Pas moyen de skip les choses rapidement, t'as toujours des milliards de trucs qui se passent. Donc, je trouve ça un peu con d'avoir mis un succès où t'es obligé de refaire 50 fois le jeu pour essayer de comprendre ce que tu dois faire. Sachant que refaire le jeu n'est pas friendly en fait. On a pas de mode qui permet de faire friendlyment le jeu. Alors, pour la psychothérapie, écoute, on tente des trucs. On tente d'aller à l'encontre du mec en boucle, mais ça met 15 ans en fait. Savoir, non, si, mais en fait, il y a plein de gens qui ont réussi à l'avoir, mais ils disent des trucs genre, ils savent pas en fait, ils disent ce qu'ils ont fait pour l'avoir, il y a des trucs qui se recoupent un peu, mais personne sait exactement quel est le trigger qui déclenche le bon truc au bon moment. En fait. Merde, je voulais pas le buter, ouais, si, c'est bon, ok, my bad. Justement, il n'y a pas d'autre moyen de le tuer que comme ça, enfin, il n'y a pas d'autre moyen de le tuer que sans le vase normalement. Allez, on se tire. Mais ferme-la, putain. Ça dégage. Là, tu vois, le Dragon Tech, là, bon. Bon, là, je me tire, du coup. J'ai eu la sauvegarde, je m'en vais. Oui, là, je me tire. Nightclub. Non! Je suis mort pour la fin. Petit soupir rouge. Prochaine fois, on ne prendra pas la drogue. Donc cette mission là on doit la faire, à la fin on doit parler à l'électroed. Oh, c'est chiant, c'est une pseudo mission d'infiltration là, vas-y ça m'énerve. Tap, 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 tap
Ouais, j'ai pas de chance sur les patterns, monsieur. Pas de chance sur les patterns. Il fallait que je le bute, l'autre clodo là. Clodo man. Allez, let's go. Chaque fois. C'est que ça va vite en fait. Insulter des mères. Donc là, les mères, elles prennent cher. Hein. Allez, let's go. Donc le chapitre 11, faudra qu'on le fasse, c'est ça? La casser cette merde. Tirons-nous dans les bois. On est arrivé là, donc là on va hang up. Ah non putain, il nous reste cette salle de l'enfer. Le jeu quand même propose des salles quand même assez dures dès le début du jeu. Hein. Cette salle, je la trouve tellement vénère quoi. Après, faut dire, je l'ai pas fait exactement comme j'aurais dû la faire tout à l'heure. C'est plus simple en faisant un aller-retour quand même. Ça, c'est nice. Let's go! C'est le succès psychothérapie aussi. Raccroche la terrasse. Let's go. Les dialogues pas skippables, le grand moment. Ah, faut pas se foirer, super. Oui, je suis venu te tuer. Délire! C'était le délire en vrai. Dis-moi où elle est. Donc là, il me dit qu'il va me buter. Sauf que moi, j'ai tué tes hommes. Ah merde, c'est la merde. S'il te plaît, mes couilles. Ce que tu veux, hein, donne-moi la drogue et je te laisse filer. Cool, cool, mon pote. Cool. Très bien, donc là il est meurt. On s'en va. Il faut que je refuse la drogue. Donc je vais finir la mission. Mais t'as refait tout le jeu ou pas pour l'avoir? Ou t'es passé dans les menus et t'as envoyé chez tout le monde? Parce que moi en fait j'essaye de pas refaire tout le jeu. En essayant de pas refaire tout le jeu, j'ai l'impression de me baiser la gueule. Allez, on va tout faire. Je suis un gars bien. Au début, je cherchais dans le menu.
Et après, tu t'es fait une journée entière. Non, mais là, je vais retester comme ça en passant dans le menu. Et si ça marche pas, bah, on va relancer tout le game et ça va me faire chier. Mais... Allez, va te coucher. Au lit. Allez, let's go. Je sens qu'il y a des trucs à comprendre. J'avais lu des gens qui disaient qu'il faut refuser les médocs et faire bunker en envoyant chier tout le monde. On essaiera. Je vais envoyer chez tout le monde partout et on verra ce qui se passe. Très bien. Donc là, ça enchaîne sur prison normalement. Donc là, non. Ça va encore retarder Forager. Allô. Yo. Ça va? Ça roule. Je t'entends pas du tout par contre. Ouais, faut que je me rapproche de mon micro. Non. Je n'en veux pas. Je veux pas le médicament, je ne veux pas l'OD médicament, je ne le veux pas. Non, je ne veux pas de cette drogue. On va redire non. Non. On va redire non. Ça faisait quoi quand tu disais oui? Bah, il me donnait la drogue et il faut pas pour ce succès-là. Par contre, faut que tu joues à Forager parce que c'est le meilleur jeu du monde. Ouais, on m'a dit, mais... Allez, let's go. Prison, ça énerve bien le psy, si on tue tout le monde, je sais pas si ça compte. Bah normalement, oui, enfin, je sais pas. Je sais pas si je dois raccrocher à ce moment-là, mais... Bref. Ah non, Forager, c'est incroyable. Encore un meilleur jeu du monde. Ah, Forager, oui, mais... Bah, Forager et Katana Zero. En plus de tous les autres jeux, meilleur jeu du monde. Aujourd'hui, j'ai refait une partie d'Eon's End, le jeu de société, c'est le meilleur jeu du monde. Fallait raccrocher, non? Bah, c'est pas le psy, là, donc je pense pas que ça compte. Non. C'est comment il s'appelle, le succès? Psychothérapie. Il faut tout le temps refuser ce que dit le psy. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Faut pas arrêter de dire que le jeu, c'est le meilleur jeu du monde, et en plus, pas écouter. C'est ça. C'est qu'à un moment tu dois écouter le psy pour refuser la drogue et puis à un moment après faut faire un niveau mais... C'est pas clair. Ah Ivan, il est séduit. Faut que je bute tout le monde ici. Comment ? Tu vas stream tard ce soir. Yep. T'arrives à switch de fin juste en refusant les drogues ou en les prenant dans le début du chapitre 4. Bah si jamais là on n'y arrive pas, écoutez, on fera ça. C'est peut-être parce que toi t'as déjà tous les bons triggers. Thank you.
Oui, là, je vais le tuer, bien sûr. Ce qui est bizarre, c'est que même en ayant les bons triggers, ouais, il me manque sûrement un trigger quelque part, en fait, je sais pas. Ça a sauvegardé, là? Ah, j'ai pas envie de me retaper ça, c'est mort. Donc studio, il est pas là normalement, c'est... on enchaîne directement sur... Là il est pas là, là c'est fermé. Hein. Je sais plus s'il est là à ce moment-là. Ah bah noir il est pas là non plus non, c'est pas ça. Ah bah noir il est pas là je crois. Et manoir c'est V en fait qu'elle a au début. Je crois. On va l'énerver dans Chinatown et puis on... Tu rates la scène avec V. Mais elle est importante celle-là. Ah non, elle est là. C'est là que je lui dis d'aller vous faire foutre avec V. Bon, on va se faire le bunker en envoyant chier tout le monde et puis on verra bien. Cobblayette. Sous Cobblayette. Je le dis tout le temps dans le jeu, putain. Oh, putain, mais j'ai pas envie de me retaper tout ça, c'est trop long, putain, c'est trop long. Tu as une scène dans l'abattoir aussi avec le psy. Ah ouais? J'avoue qu'on l'a pas faite celle-là, je crois. Faut te droguer avec lui en ayant ton katana. Ça, je l'ai déjà fait, ça. En évitant les caméras, abattoir va vite. C'est sûr. Non, mais on va se refaire abattoir, si vous voulez, en évitant les caméras. Hein. Salut, Lovely. Et du coup, je vais avoir des dialogues à passer, c'est ça, en évitant les caméras? Non. Donc là, je dois enchaîner sur abattoir. Avec le shrink au début. Plus que deux jours, ta race la chauvasse. Mais non, il est pas là le shrink au début. Vous voyez, il n'y a pas le shrink. Ou c'est pendant l'abattoir qu'il y a le shrink? Let's go abattoir, hein, écoutez. Let's go abattoir en évitant les caméras, puis on verra bien ce qui se passe. Hein. Ça, je l'ai déjà fait, ça. Ah, c'est dans l'abattoir. C'est peut-être au début de bunker, parce que normalement, après abattoir, ils te disent de poser des questions au psy. Nique ta race. Ah, c'est bon. Là c'est bon. Super. Quoi?
go et moi comme un connard j'y go pas. Mort. Salut Sona. Comment ça va? Faut reset si c'est mieux. Mais quoi? Mais attends, mais. Pousse-le, bordel! Mais pousse-le! Mais putain, il veut pas le pousser. D'habitude, il le pousse large. Voilà, comme ça. Et évidemment, ça va pas fonctionner. Vas-y, c'est bon, ferme-la. Taboulé, man. Qu'est-ce que... Hein? Ça vient, merci à toi, c'est frère, de ce que je vois. Yep, on essaie de faire un succès qui est bien relou. Bien relou tiers. Bon, je suis allé dedans. C'est pas compliqué pour prendre l'angle. Il m'a vu à le bout de la terre quand même. Et qu'est-ce qu'il dégage? Je sais pas pourquoi je fais le tour. Finally, guys. Ridicule, man. Ridiculon. Ça aurait été trop beau que je m'en sorte. Hein. Putain, mais c'est vrai qu'elle est infinie l'abattoir. Hein. En plus, ma salle préférée. Non, mais là, je sais pas ce que j'ai branlé en fait. Non, je suis vraiment débile. Je tente des trucs, c'est... Mais c'est débile, ma entière. En fait, j'ai du mal des fois avec l'inertie du perso encore. Je sais vraiment pas encore bien jouer au jeu. C'est validé, hein.
sais pas pourquoi j'ai lancé. Niveau exécution, il y a vraiment rien de, comment dire, de très compliqué, c'est juste que ça va tellement vite si je veux pas jouer avec le... potentiel de speedrun sur le jeu. Ouais et non, parce que pour l'instant il n'y a pas de mode de jeu qui est sympa à speedrunner en fait. Le jeu est pas cool au niveau speedrun en fait, peut-être pas, il y a des cinématiques partout, c'est un enfer. Bon attention, là faut éviter le trigger des caméras. Super monsieur, génial, incroyable, j'avais force train un fois. Génial tiens. Ok, alors. Ça c'est plus dur ici. Celle-là on peut pas la dodge en fait. Et du coup là qu'est-ce que je fais? J'allume pas l'ordinateur, je fais quoi? Allumer la machine? Non. Qu'est-ce que je fais du coup ici? Tu tues direct. J'ouvre la machine là. T'ouvres juste la machine, c'est ça? Ouvre la chambre. Juste le truc à droite, on est d'accord? Ouvrir le cryo réservoir, oui. Donc là j'ai pas de scène avec le shrink, ça problème. Vous avez laissé passer une précieuse occasion d'en apprendre plus sur le programme nul et sur vos origines. Interrogez votre psy à propos du nul et de la chrono s'il pourrait avoir des choses intéressantes à vous dire. Ouais, fuck la gamine, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle va me brasser déjà? Ah oui, ah, c'est la fameuse scène incroyable. La fameuse scène où je me suis levé et le jeu a joué tout seul. Rappelez-vous, c'était il y a 2 jours. On peut voir tellement loin ici, c'est incroyable. Hein, j'ai pas compris ta bise. Salut Kinjin, ça va? Eh, c'est quoi? C'est une médaille. Seulement 2 jours avec Forager, j'ai l'impression que ça fait des mois. Putain, ouais. Ah, on jette la médaille à ce moment-là, je m'en rappelais pas. On grille à chaque fois aussi. À chaque fois, je suis avec vous, on va sous des tours. Mais la petite fille n'existe pas, c'est ça qui est triste en fait. La petite fille n'existe pas, et ça, faut le savoir. Je ne laisserai personne te faire de mal. Bah, c'est promis, mais elle n'existe pas en fait, donc elle est dans ta tête. Et cette petite fille dans ta tête, l'invention de ta tête. Je pense qu'il faut juste l'ignorer. Ouais. Qu'est-ce qui me brasse? Hein? En vrai, il faut prendre le Hérald. Bah écoute, bienvenue Kinjin. Bon, en ce moment, des fois, il y a un peu de rage, mais c'est pas tout le temps comme ça. Allez. Non mais là il a l'air trop content, je suis désolé mais... Bon il a... Des fois il a pas l'air content mais... Ouais à mon avis c'est mort. Là on est au début du bunker et... Il a pas dit qu'il était déçu que je sois encore en vie donc... Donc c'est mort en fait. C'est mort. Je sais vraiment pas ce qui me manque, hein. Genre vraiment je fais tout comme dans les guides et ça marche pas quoi. What can I do quoi? Il
Mais ça a rien à voir avec la VF, il y a des gens qui ont réussi à finir en VF. Ouais, jamais. Ouais, t'inquiète. Non, il n'y a pas de bug, c'est juste que genre, il doit me manquer un trigger, mais personne connaît le trigger en fait. Quoi. Personne connaît, les gens ont juste fait des trucs dans leur coin et. Les informations ne sont pas. Il n'y a pas d'informations exactes en fait. Et du coup ça fait une heure qu'on cherche alors que ouais, on aurait pu finir refinir le jeu en entier quoi. Au lieu de s'emmerder. Les vraies salles de merde, ça. Taras. Taras. Tu vas me dire que l'épisode 2 de Goth a leak. Je vais pas regarder. Mais let's go. C'est bien long le bunker en plus. Hein. Ah j'avais oublié ça. Heureusement qu'ils ont pas mis plus de mecs à la sulfateuse, c'est les pires. Eux c'est vraiment les pires. Regardez quand même, il y a peut-être des triggers à droite à gauche dans le bunker, ils disent de finir le niveau. Mais... qu'est-ce qu'on va trouver hein? C'est jamais fini, c'est jamais fini, c'est jamais fini. Pas cette salle. Mais rappelez-vous de cette salle. Rappelez-vous de cette salle. Non mais pourquoi il me faut au sol? Ah vas-y, Taras Bulbix. Taras Bulbix. Super. Mais putain, mais pourquoi lui? J'en ai marre. Tout ça pour pas avoir l'achievement, quoi.
touches en fait elles servent à des trucs, je savais pas, genre quand t'es contre un mur et que tu fais dash, tu peux dasher d'un mur à l'autre. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Hein. Barre, tu passes à travers, peu importe que tu sois dans un saut ou pas. Non, c'est bien, on apprend des mécaniques hein, qui ne servent à rien parce qu'on jouera plus jamais au jeu une fois qu'on aura le dernier succès, mais c'est cool. Suffisait de faire ça. Hein. Ok, c'était Bunker partie 1. Cache-toi, connard! T'es mort. LOL, t'es mort. Oh là, c'est chaud. Non, elle va te mettre un truc. Mais c'est mort en fait. Bien joué. Putain, on l'a déjà fait tout à l'heure. Y'a aucune scène qui me demande d'interrompre dans le bunker en fait, je comprends pas. Donc là on peut pas passer comme ça. Super monsieur, super. Lui je devrais pas lui mettre le flingue sur la gueule. Qu'est-ce qui m'a tué? Tu rencontres l'autre meuf à affronter là. Et du coup tu peux skip le fight si bien en vrai. Tu peux skip le fight je crois. J'ai cru dire que tu pouvais skip. Vas-y, jette-moi par terre. Vas-y! C'est quoi le bail? Ça fonctionne, très bien. On est où de Forager? C'est la fin. Ah ouais, mais putain, le mec il te snipe à l'autre bout de l'écran, tu veux faire quoi? Merde, là j'ai l'impression qu'on me suit. Hein. Je
reste quelqu'un qui n'est pas mort. Il reste des salles là ? Ah non. Et là j'interrupe là ? Ah mais je peux pas en fait. C'est génial. Comme ça je sais bien que j'ai pas du tout réussi en fait. Ça fait très, plaisir. On est très content. Hein. Pas de ce combat. C'est de la merde en plus. Ça me skip pas le combat en tout cas. J'ai pu dire fermer là quoi. Let's go. On n'y arrivera tellement pas. Non mais là c'est infini là, la cinématique aussi. Infini man. Mais qu'est-ce qui me manque quoi ? Qu'est-ce qui me manque quoi ?
Genre pourquoi en fait? Enfin genre qu'est-ce que j'ai loupé quoi? Est-ce que c'est dans le manoir Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas en fait. Je comprends pas ce qui manque. J'ai fait tout ce que demandent les guides et... Il y a cette scène qu'on n'a pas fait en entier tout à l'heure, mais regardez, elle sert à rien en fait. Electroed, on l'a déjà fait. Hein. On a déjà refusé la drogue des milliers de fois, alors ça, ça fonctionne pas. Le truc de la drogue, on l'a fait 50 fois, ça fonctionne pas. Après le massacre de Chinatown. Si, on l'a fait celui-là. Je ne comprends plus. Mais non, mais ferme-la. Mais qu'est-ce que je branle? Putain. Je suis impatient là, en fait j'en ai marre. Ça devait être un truc tranquille où on refait quelques machins, des triggers, des trucs. Et en fait non. En fait c'est chiant. Au moins Forager c'est pas chiant. Pour 2 mois de Twitch Prime, disons. Mais j'ai déjà fait un terru de partout, sauf pour le médicament. Je l'ai fait 2 fois. Deux fois tout en entier. Y a pas un endroit où il nous téléphone, où on doit lui dire de fermer sa gueule, que j'aurais loupé. Sinon j'ai tout fait en fait, je vois vraiment pas quel trigger j'ai loupé en fait. Je vois pas. Après le choix du masque or ou argent. Non mais je sais pas quand c'est ça. Ça, on l'a fait 50 fois, le truc de la drogue. Le choix du masque or argent, je sais même pas où c'est, en fait. Ça, y a pas de psy.
Après le massacre de Chinatown, c'est... Dragon. C'est ça, je m'en rappelle, là, qu'on lui ait parlé. Non, il n'y a pas de moment. Après, le choix du masque or et argent, je sais pas où c'est. Hein. Peut-être t'as oublié de tuer un policier juste dans la prison. Non, j'ai tué tout le monde. Je sais pas, y a pas de séquence que j'ai loupée, hein, je crois pas. Hein. Abattoir, on l'a fait, on a... Je sais pas. C'est le manoir, les masques. Je sais plus. Ouais, j'ai laissé le mec se suicider. Non, mais j'ai tout fait. Hein. C'est infini. Il veut pas tomber le succès. Il veut absolument pas tomber. Quoi? Bah j'aimerais bien pouvoir te le dire en fait, mais genre on n'arrive pas à avoir les informations exactes, il faut énerver le psy. J'ai fait tout ce qui était dit dans les tutos, j'ai fait tous les trucs un par un, je l'ai fait deux fois, et ça fonctionne pas quoi. Il manque un trigger de chiasse et j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. Je rentre bourré, génial. Putain. C'est ce qui j'a... Non mais c'est infini en vrai. Ouais mais tous les guides disent ça et j'ai tout fait en fait. Donc je sais pas quoi faire en fait, enfin, genre vraiment. Les téléphones que j'ai loupé, je vois pas quel téléphone j'ai loupé en fait, j'ai demandé mais je sais pas où il y en a en fait. And from the anger will come the redemption. J'encule tous les guides sur internet. Tous les guides sur internet, je les encule un par un. Voilà.
va refaire tout le jeu. On aurait déjà fini là, mais... Not all guides. On va raccrocher 20 fois. Hein. Histoire d'être sûr. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Allez. C'est parti. Je suis heureux. C'est vraiment long, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les séquences qu'il y a, c'est insane. Hein. C'est insane, le jeu, il y en a pour 2 heures, hein. Enfin, genre vraiment. Tout ça pour qu'à la fin, on ait loupé un vieux truc de merde. Allez, let's go. Vos employeurs sont mécontents. Ah, ça se trouve, la mission 1 fallait la valider. Je pense que la mission 1 fallait la valider. C'est le trigger manquant, c'était ça en fait. Si mes employeurs sont mécontents, je n'ai jamais eu le message au début. Parce que là, t'as le message parce que j'ai raccroché au début. Je pense que c'est ça. Putain, ça se trouve, c'est juste ça. Et là, maintenant que j'ai fait une nouvelle game, je peux... Retourne au menu et retente. Je suis pas sûr que ça suffise, en fait. Retente la fin, du coup. Vous pensez que ça suffit ? Ouais, mais attendez, parce que si ça suffit pas, ça veut dire qu'il faut que je me retape tout ça, hein. Non mais je suis dans le sel là, je suis dans le sel infini.
Je suis dans le sel infini. Non. Oh, c'était ça! Putain, c'était juste ça! C'était le trigger manquant! Putain! Enfin, bordel de cul! Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sécure? On sécure, on refait tout le bunker ou c'est bon, ça va suffire? Et donc là, on peut pas refuser le traitement quand même, on est d'accord. Test avant. Donc là, je fais quoi? Je repasse par le menu et on s'en bat les couilles. Donc là, normalement, c'est bon, c'est fini, on est d'accord. Attention, on va y arriver en fait. Ouais, ok, c'est bon. Vous faites une grave erreur. Alors là, attention, du coup, on se remet dans le contexte. Vous faites une grave erreur. Ah mais si, le pauvre abruti, vous croyez vraiment que la chrono, c'est la seule drogue qui a été fabriquée pendant la guerre? J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Allez, full drogue. 1, 2... Je n'aurais plus à vous supporter. Le trou, la boss, enfin. Bon, je vais me faire baiser le cul, hein, parce que je sais pas ce qu'il faut faire, mais... Bien. Aïe, là, je suis mort. Incroyable. We got this, dude. Ok. Donc là, il faut renvoyer les boules. Okay, il faut renvoyer les boostos, mais... Aïe, 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 c'est chaud. Qu'est-ce que... Putain, on dirait Rayman Legend. Rappelez-vous Rayman Legend. Incroyable. Ah, c'est dégueulasse. What? Ok. C'est immonde. Faut taper quoi? Allô? C'est chaud. Allez, chier. Ah oui, chaud. Hein.
bam. Je sais pas trop comment marche la sauvegarde sur le boss là. Ah non, j'étais bien là. Ça a l'air de sauvegarder assez souvent en fait. Hein. Ah, voilà. What? J'ai aucune idée en fait, peut-être que c'est juste des patterns aléatoires et qu'on va mettre plein le cul, putain je suis nul. Mais je suis nul. Mais je suis vraiment zéro en fait. Je suis zéro. Les patterns sont aléatoires, c'est ça en fait. À chaque fois je meurs, on est d'accord. Hein. Je crois que c'est bizarre parce que ce pattern là par exemple ça a l'air d'être un pattern compliqué et. Je crois que je ralentisse plus souvent dans le temps. Non, j'ai appuyé sa race. Vas-y, j'appuie trop tôt, voilà. Pour ma vie. Allez. Let's go. De le toucher trois fois en fait. C'était un combat psychologique qui se passe dans la tête. J'ai eu mon succès. Super. Ce qui nous apporte pas beaucoup plus d'informations à part que lui aussi faisait partie du programme. Et qu'apparemment il y avait une drogue qui est plus basée sur le genjutsu quoi, en mode... Mais alors du coup, s'il y a une drogue basée sur le genjutsu, c'est-à-dire que ça se trouve peut-être depuis le début, il nous genjutsu la gueule quoi. Bah, eh, vous savez quoi? On s'en bat les couilles, il faut Rager, allez.
La porte du labo qui s'ouvre pas, ça sera dans des mois, ça. Dans quelques mois, la porte du labo, tout ça. Allez.